tous et bienvenue dans la quotidienne. Donc nous avons rendez-vous tout d'abord avec l'agenda du pays. Davina nous donnera les différentes dates d'animation, etc. Donc nous en parlerons dans notre rubrique agenda. Ensuite, pour notre rubrique job et éducation, nous parlerons, nous suivrons plutôt des filles hein, en stage, donc avec des personnes âgées. Nous en parlerons dans notre rubrique job et éducation. Et ensuite, pour notre rubrique, c'est bien de chez nous aujourd'hui, on parle de la culture du manguier et du laiti avec Duke Menango. Mais pour l'heure, je vous propose de retrouver notre invité du jour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pascal Tchibaou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre du comité organisateur des commémorations de Wagnat, hein, donc une occasion, un devoir de mémoire concernant les 10 tués de Tiendanit. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut rappeler le contexte, hein, pourquoi commémorer justement Wagnat? Le 5 décembre, le contexte du 5 décembre 84. Donc, on se rappelle en fait de ces événements qui se sont déroulés au mois de décembre 84. Et qui s'inscrivent dans le boycott actif du statut Lemoine, qui faisait suite à la table ronde de Nainville-les-Roches. Mmh. Donc après, il faudra que les téléspectateurs fassent un peu de recherche sur Internet pour regarder un peu ce que c'est Nainville-les-Roches, mais c'est important de comprendre ce qui s'est passé à Nainville-les-Roches pour comprendre la suite. Après, nous au niveau local, au niveau de la tribu, c'est la situation au niveau du foncier, parce que ben, comme un peu partout sur le territoire, on a eu l'implantation de colons qui sont arrivés et puis qui ont, par l'intermédiaire de, enfin surtout l'État qui était devant, qui ont repoussé petit à petit les Kanaks à l'intérieur au fond des vallées, dans les réserves qui avaient été créées dans les années 1890. Et donc 84, c'est stop, quoi. C'est le moment où le peuple décide de se soulever et puis de reprendre ses droits. Alors, pour vous, c'est quoi l'objectif finalement de commémorer justement ce moment? Ben, l'objectif, c'est déjà de se rappeler de cette histoire qui fait partie de la. C'est une petite histoire, mais qui fait partie aussi de l'histoire du pays. Mmh. Et puis de transmettre cette histoire aux enfants et puis de commémorer ensemble ce moment-là. Et puis c'est aussi par rapport aux échéances qui arrivent, de se remémorer de la situation de là où on vient et là où on est aujourd'hui, pour dire que on a perdu beaucoup de gens de part et d'autre, hein, aussi bien du côté des Kanaks que du côté des colons. Et puis aujourd'hui, l'histoire présente nous appelle à construire ce pays ensemble. Alors, en connaissance de tout ce qui s'est passé auparavant. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, 31 ans après, vous avez le sentiment que les jeunes, hein, parce que c'est souvent des informations qu'on a envie de faire passer aux jeunes, à notre génération, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que cette histoire, ils se sont appropriés cette histoire? C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais, je veux dire, pour répondre à la question, aujourd'hui, on a beaucoup de. Enfin, les réseaux sociaux qui occupent un peu l'espace, et puis on n'a plus assez. On ne trouve plus de temps pour transmettre notre histoire à nous, en dehors de ce qui se transmet à l'école. Donc ces moments-là, c'est aussi des moments, c'est des petits moments où vous aurez l'occasion de voir la tribu, de voir les gens qui ont vécu, qui ont vécu ça au quotidien. Quoi. Par exemple, un sujet hein, qui n'arrête pas aujourd'hui, on n'arrête pas de parler dans l'actualité, les jeunes nous disent pourquoi on revient sur le corps électoral. Donc, quel est votre avis dessus? Eh bien, justement, par rapport à ce qu'on a dit en début d'entretien, c'est important de connaître ce qui s'est passé à Nainville-les-Roches et la déclaration qui s'est faite à Nainville-les-Roches. Donc, on ne va pas tout dire là, mais si les gens vont bien regarder ce qui s'est passé à Nainville-les-Roches, ils vont comprendre le statut Lemoine, pourquoi il a été boycotté. Parce que le statut Lemoine, il doit traduire juridiquement ce qui a été acté à Nainville-les-Roches. Mmh. Et comme le statut Lemoine est contraire à ce qui avait été dit, notamment par rapport à la question du corps électoral, parce qu'à Nainville-les-Roches, on dit que c'est le peuple kanak qui est légitime sur ce territoire et qui a son droit à l'autodétermination. Et on reconnaît aussi aux gens qui sont arrivés de gré ou de force
ce droit de décider de l'avenir du pays. Donc c'est les populations concernées. Mais quand le statut Le Moine arrive, on dit ok, c'est tout le monde, c'est-à-dire les Kanaks, les colons et aussi celui qui vient d'arriver. C'est pour ça que les gens font le boycott actif pour décider, que, pour dire que eh ben, écoutez, on a décidé quelque chose ensemble à Navy-les-Roches et le statut Le Moine qui arrive, il est contraire à ce qu'on a acté ensemble. C'est pour ça qu'on a cette image du vieux là-bas à Canala qui va casser cet instrument de la démocratie. Voilà pourquoi il est important justement de se rendre dans ces commémorations, dans ces événements. Alors qu'est-ce qui va se passer justement le samedi, voilà, samedi. Alors samedi 5, on va commencer justement pour ceux qui vont être là. Le samedi 5, ce qui est important, c'est de 8h à 10h30, il y aura une série de témoignages sur le lieu dit de l'embuscade, Wanya. 8h à 10h samedi matin. Ensuite, il y aura un culte qui sera fait à la tribu, à Tiedanit. Ensuite, à partir de midi, repas fraternel et le début des animations avec des danses et de la musique. Et puis, à partir de début de soirée, concert. D'accord. Et dimanche ? Podium libre. D'accord. Alors, pour terminer, un appel justement aux jeunes, à la population, à venir à cette commémoration. Appel à tous ceux qui ont envie de partager ce moment. Et puis, c'est aussi nous encourager, parce que cette histoire, ce n'est pas que l'histoire de la tribu du Tiedanit, c'est l'histoire de tout le monde. Et puis, ce n'est pas que l'histoire des Kanaks, c'est l'histoire de tout le monde dans ce pays. Mmh. Aussi bien que, comme nous, l'histoire des autres, ça fait partie de notre histoire commune maintenant. Voilà, donc rendez-vous le 5 décembre, donc à Yengen, à la tribu de Tiedanit. Pascal, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Salut Davina, donc quoi de neuf pour l'agenda aujourd'hui? Bonjour Élise et bonjour à tous. Agenda spécialement consacré au Téléthon, Élise, parce que tu le sais, ce week-end ce sera le plus gros de la récolte en faveur du Téléthon. Mmh. Moi je voulais aussi associer l'agenda à cet événement, donc on va faire un petit tour de ce qui va se passer sur notre petit pays ce week-end. On va commencer tout de suite avec un petit tournoi de handball qui se déroulera donc samedi 5 décembre de 9h à 11h à la salle de couture, pas loin du lycée du Grand Nouméa. Donc les inscriptions c'est 1000 francs, hein, c'est presque rien. Et puis c'est pour faire du sport et une bonne action. Donc vous pouvez participer. Je vous laisse aussi un numéro de téléphone, le 82 77 55. Voilà. Et on continue à Koumac dans cette commune. Il y a plusieurs événements proposés dans le cadre du Téléthon. Oui tout à fait Élise, on commence avec un petit concours de pétanque qui aura lieu le samedi 5 décembre sur le terrain de pétanque de la commune de Koumac. Voilà. La jetée de cochonnet se fera à partir de midi et puis les inscriptions c'est 5000 francs par équipe, donc n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 4 décembre pour vous inscrire et si vous avez besoin de plus d'informations vous pouvez contacter le 47 90 48. Et on note également une après-midi dansante, hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet événement? Alors déjà je peux te dire que ça aura lieu chez Elisabeth et Henri Reillard du côté de Panouna. Le rendez-vous est donné à nos amis danseurs à partir de 11h et jusqu'à 18h, c'est le dimanche 6 décembre que ça se passera. Donc là pareil, il faudra donner une petite participation toujours pour le Téléthon, donc 1000 francs. Et pour 1000 francs vous avez donc une boisson qui est offerte et une part de gâteaux. Très et bien. En plus vous pouvez vous amuser et participer au Téléthon, voilà. Voilà, et pour ceux qui préfèrent, hein, il y aura également une rue piétonne, hein, qui sera organisée. Alors est-ce que Davina, est-ce que tu pourrais justement nous dire un peu plus sur ce sujet? Alors pour ceux qui souhaiteraient plutôt aller du côté de la rue piétonne, et sachez que ça se passera du côté de Pandop de 9h à 15h, là aussi l'occasion d'aller rencontrer des gens et faire le plein de produits frais et puis participer au Téléthon. Si vous souhaitez aussi avoir un stand, il faudra compter 2000 francs et les renseignements possibles sont au numéro suivant, le 77 83 26. Voilà, le 77 83 26. Il y a également un tournoi de futsal à Koné, il me semble, n'est-ce pas Daniel? Oui, c'est ça, tu as tout à fait raison. Il se passera alors du 5 à 7h du matin jusqu'au 6, 7h du matin. Tu l'auras compris, 24h de futsal pour les amateurs, pourquoi bien, pas ça. Aller faire un petit tour du côté de Koné. Donc ce tournoi débutera avec les jeunes le matin et
jusqu'à midi. Ensuite, il y aura les femmes qui pourront aussi taper du ballon. Et il y aura aussi la finale de Nouvelle-Calédonie de futsal. Voilà, à ne pas louper. Les inscriptions se feront sur place. 2000 francs par équipe, ce n'est pas énorme non plus. Et puis, si vous avez besoin d'informations, un numéro de téléphone, le 79 65 40. Voilà, et sur Koné, il y aura également un tournoi de speedball. Organisé, oui, tout à fait, à la salle du dojo de Koné. Ça se déroulera de 8h à 18h. Si vous avez besoin de détails concernant les inscriptions ou sur la journée, je vous invite à appeler le 47 60 47. Et on se dirige dans le sud, à Nouméa, pour finir cet agenda. Notez qu'il y aura aussi ces baptêmes de plongée. Oui, proposé, Élise, le samedi 5 de 8h30 à 13h du côté de Lansvata. Là, il faudra compter 2000 francs minimum. Vous pouvez donner bien sûr plus si vous le souhaitez. Il faudra juste emmener vos palmes et votre masque. Et puis voilà, je vous laisse aussi un numéro de téléphone pour ceux qui le souhaitent, le 91 56 92. Et puis vous pouvez aussi participer en faisant une promesse de dons au 36 37 ou en participant en donnant aussi aux forces T qui seront tout le week-end à la sortie des grandes surfaces. Voilà, voilà, j'espère que vous participerez et que vous serez aussi généreux que l'an dernier. Espère. Merci Davina. Et puis écoute, on va aussi participer, n'est-ce pas Davina? Mais bien sûr, comme tous les ans Élise. Merci et puis à tout à l'heure pour le fin bon. Oui, à tout à l'heure. Alors parlons métier, des métiers plutôt d'auxiliaire de vie sociale, d'accompagnatrice de la personne et d'assistante à la personne. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Élise et bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors Élise, c'est vrai que assister les personnes dépendantes, quel que soit leur âge, telle est la mission de ces femmes. Alors je te parle de femmes parce que c'est vrai que le plus souvent quand même ce sont elles qui décident d'exercer cette profession. Il y a très très peu d'hommes. C'est vrai. Alors d'ailleurs, lorsque l'on parle de personnes dépendantes, on ne parle pas forcément de personnes âgées ou ayant un problème de santé. C'est vrai, Élise. Une personne dépendante, en fait, c'est une personne, si tu veux, qui est fragilisée, certes, mais qui peut avoir soit des difficultés passagères dues à son âge, soit des difficultés dues à une maladie ou à un handicap. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que dans la famille, on va dire, en tout cas dans cette catégorie de personnes dépendantes, on retrouve aussi les enfants. Mmh. Un enfant en bas âge et puis également un bébé qui est bien évidemment aussi dépendant. Mmh. Voilà, ce qui laisse le choix justement de la structure à laquelle ces professionnels peuvent travailler. C'est vrai, exactement. Du coup, c'est vrai qu'une accompagnatrice de vie ou une auxiliaire de vie sociale a le choix donc de travailler soit en crèche, soit dans une structure spécialisée. Elle peut également travailler dans une école où il y a par exemple une classe pour l'inclusion scolaire, les fameuses classes spécialisées CLIS. Et puis, elles peuvent très bien aussi travailler pour le compte d'une association. Et où on peut se former justement à ce métier en Calédonie? Alors en province nord, le lycée de Touau propose justement le bac pro accompagnement soins et services donc à la personne. Et puis du côté du lycée professionnel Johanna Vaquier à Wailou est également proposé un CAP petite enfance. Et puis bien évidemment les titulaires de CAP peuvent ensuite poursuivre vers le fameux bac pro accompagnement soins et services à la personne. Et puis du côté de Pointe-Bout et d'Onéva et du lycée de Onéva plutôt, on trouve également une formation que l'on appelle le bac pro SAPAT pour service aux personnes et au territoire. Et pour Pointe-Bout, tu t'en doutes bien, c'est le lycée de Pointe-Bout. Et au sud, il y a également des possibilités de formation? Oui, c'est vrai. Et là, ça se passe du côté du lycée Jean 23 à Païta, toujours pour la formation de CAP petite enfance et de bac pro accompagnement soins et services à la personne. Et puis à Pétro à Titi aussi, on propose ce même bac pro, donc tu vois, il y a plusieurs établissements. Et il me semble qu'il existe aussi une autre voie que celle du lycée professionnel. Oui, tu as raison Élise, il s'agit du RSMA en fait, qui accueille des jeunes âgés de 18 à 26 ans, ils peuvent bénéficier d'une découverte en fait au métier d'auxiliaire de vie. Et donc au bout de 8 mois de formation, on leur délivre, si tu veux, un CAPI, un certificat d'aptitude personnelle à l'insertion, pour qu'ensuite elles puissent parfaire leur apprentissage dans les années qui suivent. Mais place au reportage, Élise, on va regarder de suite les images et le reportage surtout de l'INSEE WAMO. On va donc rencontrer ces jeunes filles qui sont donc en stage. –
Ici, nous sommes dans la commune de Koumac. Je suis responsable de la structure Les Tournesols. Et je suis souvent contactée par les lycées, l'ERSEMA, pour prendre des stagiaires en formation d'aide à la personne. Nous accueillons à peu près une quinzaine de stagiaires par an qui viennent de tous les horizons, des lycées, de la Mige, de Cap Emploi et du CFPP à Nord. Les gens qui bénéficient du stage, ce sont tous les élèves qui sont en BEPA aide à la personne ou BEPA SAP, ce qu'ils appellent le BEPA SAP aide à la personne. Déjà pour se peaufiner encore plus, pour avoir plus d'expérience. Parce que c'est vrai que sur les études, il n'y a pas beaucoup de stages, il y a beaucoup d'écoles. Donc voilà, ça leur permet de se perfectionner, quoi. Ce que j'ai appris, c'est la prise des lits, comment les mettre sur les lits, l'ergonomie et la douche, les toilettes. Et on apprend aussi pour les médicaments, la prise des médicaments. Ben, j'ai appris comment être patient avec les personnes âgées et comment les parler. Et surtout, comment les manipuler aussi. Ils apprennent à nettoyer le lieu de vie de la personne, parce qu'un lieu de vie d'une personne qui est alitée, tout ça doit toujours être impeccable, parce qu'ils sont trop soumis à... Ils sont vulnérables, ils attrapent des microbes plus vite qu'une personne qui fait du sport ou qui bouge. Ça y est, on les a tellement poussés sur la sécurité, sur l'hygiène, que ça y est, maintenant, hein, elles n'oublient plus rien. Hein. Regarde à deux fois si on n'est pas dans les parages ou... Ouais, regarde si on est vraiment là pour voir si elles vont se laver les mains. L'air de dire, voyez, je vais me laver les mains. J'ai obéi. En ce moment, on en a 4. Voilà. Normalement, j'aurais dû en avoir que 2, celle du lycée Johanna Vaquier. Mais les 2 jeunes filles du SMA qui avaient déjà fait leur premier stage ici ont rencontré des soucis pour trouver des autres structures pour faire valider leur stage précédent. Arrivés à leur fin de cursus, ils ont besoin d'un dernier stage, des fois pour valider tout, et pof, ils ne trouvent pas. Leur évaluation ne peut pas être faite parce qu'ils n'ont pas trouvé leur lieu de leur dernier lieu de stage. Ça, c'est un problème qu'il faut vraiment soulever. Donc, pour ne pas les laisser au bord du chemin, ben, on les a prises. Donc ça fait beaucoup de monde pour juste 2 personnes, mais il y a du travail pour tout le monde. On part. Tu vas aller dormir. Hein? On part à Ouéa. Là, ça va faire ma deuxième semaine de stage. J'aime être avec les personnes, c'est parce que j'aime discuter avec les personnes âgées. Et elles sont calmes et douces. On se donne un objectif avec les stagiaires, c'est de leur faire aimer. Déjà, de leur apprendre ce qu'on sait et de leur faire aimer le contact avec les personnes âgées. S'il y en a, quand elles arrivent... C'est un peu juste, hein. On en a eu 2 qui sont restés 2 jours et après elles sont parties.
elle supportait pas de voir la dégradation de la personne. Avant, je m'occupais toujours de mon grand-père, puis voilà, c'est pour ça que j'aime ce contact avec les personnes âgées. Pour moi, plus tard, ça va m'aider, quoi, pour avoir plus d'expérience et tout ça. Aller les promener, les mettre des crèmes, elles font les ongles. Ils sont jeunes. Ils sont toujours en train de plaisanter, en train de rire. Des fois, nous, on n'a pas trop le temps. On vient, on s'occupe d'eux, puis pof, ben, y a le téléphone. Pof, il y a la cuisine, il y a le linge à l'étendre. Là, quand les stagiaires sont là, il y a toujours de la vie. Elles amènent la vie, quoi. Voilà. C'est la vie qu'elles amènent aux personnes âgées quand elles viennent dans des structures d'accueil. Des choses que nous, on n'a pas le temps, des fois, de faire. Elles le font. J'ai fait 4 semaines ici au foyer Belloma. Ça m'a beaucoup plu. J'ai fait ce stage parce que j'aimerais bien aider nos vieux à la tribu. Je voudrais bien avoir une structure là-bas à la tribu parce que je vois qu'il y en a beaucoup de vieux qui restent seuls et puis il n'y a personne pour les aider. Puis j'aimerais bien avoir une structure pour moi quand je serai grand. Voilà, très beau reportage de l'INSEE. Ouamo, rapidement pour terminer, quel est le profil à avoir pour exercer ce métier, Marie-Hélène? Alors, il faut être ordonné, méticuleux, il faut également être dynamique et à l'écoute, faire preuve de respect, bien évidemment, de tact et puis de discrétion. Puis, bien sûr, il faut aimer les relations humaines et sociales, Élise. Voilà, merci Marie-Hélène. Avec plaisir, au revoir. Alors le Japon s'est invité dans le fin bon aujourd'hui, n'est-ce pas Davina? Oui, c'est ça, Élise, direction le Japon. Pour commencer, avant de s'intéresser aux différents plats japonais, je voulais qu'on fasse un petit focus sur les us et coutumes japonaises. Donc déjà, il faut savoir que, par exemple, pour le dîner, eux, ils ont l'habitude de préparer tous les plats en même temps et ils servent tous les plats en même temps. C'est bien ça. Donc sur une table, tu peux avoir devant toi, eux, ils ont une espèce de petit principe, une règle de vie. Ça s'appelle le Ichijū Sansei. En fait, devant toi, tu auras 3 plats plus ton bol de soupe et ton bol de riz. Et il faut tout manger en même temps et tout terminer en même temps. D'accord. Et ça permet aux plus jeunes enfants de s'habituer à manger de tout, à goûter de tout. Le principe, c'est ça, en fait, c'est se faire plaisir, manger de tout et prendre le temps d'apprécier son repas. En tout cas, c'est un bon système, hein, peut-être pour que, justement, qu'on pourrait utiliser chez nous, histoire d'habituer nos enfants, dès le plus jeune âge, à manger de tout. Mais je pense qu'on le fait déjà. Hein, et justement, qu'est-ce qu'ils mangent, les Japonais? C'est quoi les plats traditionnels? Alors, parmi les plats japonais, déjà, d'une manière générale, il faut savoir qu'eux, ils mangent vraiment de tout. Ils n'ont pas de plats interdits. Ils mangent du poulet, du bœuf, du porc, du poisson bien sûr, bien évidemment, pas mal de champignons, de fruits de mer. Et puis donc parmi les plats typiques japonais, je voulais vous parler du tsukune. Donc les brochettes de tsukune, c'est quoi? C'est fait à base de poulet haché que tu vas mixer avec des herbes et tu vas monter. Donc en brochette, ça donne ça, c'est pas mal, c'est facile à préparer et facile à manger. Il y aura aussi un plat typique de chez eux, hein, c'est le natto. Donc c'est des graines de soja fermentées, ça a une odeur très particulière. Mais eux, ils en raffolent. Mmh. Il paraît que c'est riche en plein de bonnes choses pour le corps. Pour ma part, j'en ai pas mangé, mais c'est vrai que ça sent très très fort. Et puis, ils ont aussi, dans la culture japonaise qui est très très ancrée, les bento. Donc, ce sont ces petites boîtes où tu vas retrouver le repas, voilà, comme à l'image. Un repas complet que les mamans préparent pour leurs enfants parce que leur repas, il est emmené de leur maison. Et pour les inciter à manger de tout, ils mettent tout dans une seule boîte, c'est plus pratique. D'accord. Et ils vont essayer de mettre tout ça aux couleurs de leur héros préféré. Ça marche apparemment du côté de chez nos amis japonais, pardon. Donc dans ces boîtes, en général, tu vas toujours trouver les mêmes choses, hein. C'est toujours de la viande, des œufs brouillés et puis des légumes verts. Ça peut être des haricots, ça peut être des épinards, et, enfin, ce que tu veux. Mais il y a toujours ce principe de 3, toujours pareil. Et aujourd'hui, moi, de mon côté, je voulais vous inviter à découvrir un autre type de plat. Il s'agit des nourris de Mai Mai. C'est un reportage signé Alexandre Sigura.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une recette, donc un nori de mai mai et son gravlax de saumon au gingembre avec un bouillon de jus de wasabi et une poêlée de chouchine et soja. Donc pour cela j'aurai besoin d'ingrédients tels que du jus de volaille déshydraté, de l'eau, du jus de citron, des germes de soja, du chouchine, des oignons verts, des feuilles de nori, du mai mai, du wasabi, de l'ail, de la citronnelle, de l'oignon, du fenouil, de l'huile d'olive et du saumon gravlax au gingembre. Pour commencer, je vais attaquer le jus au wasabi. Donc pour cela, je vais couper tous les légumes en commençant par l'oignon. Donc je vais le couper en mirepoix. Mirepoix, c'est taillé en gros dés. Voilà, le deuxième. Je le réserve de côté. Je vais émincer l'ail. Je le mets de côté. Ainsi que la citronnelle. Après avoir fini d'émincer la citronnelle, je vais commencer à préparer le jus au wasabi. Donc pour cela, je vais prendre le fenouil, les oignons émincés et l'ail émincé. Je vais verser de l'huile d'olive, l'équivalent de 3 cuillères à soupe, dans la poêle. Donc voilà. Je vais commencer. Les oignons. C'est bon. Donc je verse délicatement l'huile d'olive. Voilà. Ensuite je mets de l'oignon et de l'ail que je verse dedans. Le fenouil. On fait revenir, surtout sans coloration, pour éviter de colorer le bouillon. Donc voilà. Ensuite, je vais préparer le bouillon de volaille. Donc je me munis de la poudre de fond de volaille. Je verse. Je prends l'eau. Et je mélange. Verser la quantité entière d'eau. Ensuite, je la verse dans ma casserole. Voilà. Ne pas oublier de tout le temps mélanger pour ne pas qu'il y ait de coloration. Ensuite, je vais prendre la citronnelle que je verse dans mon bouillon. Ensuite, je vais prendre le jus de citron. Je verse dans le bouillon. Toujours vérifier les oignons et le fenouil. Et ensuite, je rajoute le wasabi. Donc, mettre la quantité entière. Voilà. Et remuer. Ensuite, les oignons et le fenouil bien sués. Suer, c'est extraire l'eau du légume.
nous allons verser le tout dans le bouillon. Et maintenant, nous allons laisser mijoter pendant 20 minutes à feu doux. Nous allons commencer la préparation du poisson. Donc pour le nori de Mai Mai, nous allons commencer par saler et poivrer le poisson. Donc un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Maintenant, nous allons faire des petits boudins de Mai Mai. Pour ceci, on va utiliser un film étirable que vous pouvez trouver dans n'importe quel commerce. Une feuille de nori. On dispose au centre du Mai Mai. Hop. Ensuite, on rabat les côtés de la feuille sur le Mai Mai. On rabat le dessus et en dessous. On retourne le poisson et on l'enveloppe dans le papier film. En serrant bien le poisson pour qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur. Ensuite, faire un petit nœud à une extrémité. Et faire la même opération de l'autre côté. Donc, vous serrez bien pour pas qu'il y ait d'air dans le Mai Mai. Donc voilà. On va renouveler l'opération 4 fois. Donc comme vous pouvez le constater, je me suis fait un peu de place parce que je vais attaquer la garniture du poisson. Donc c'est du chouchin, je vais l'émincer. Donc j'enlève le trognon et j'émince le chou. Je vais l'émincer en deux fois. Une première fois, le cœur du chou que je vais séparer des feuilles, car le temps de cuisson n'est pas la même. Donc, j'émince les feuilles maintenant. Voilà. Ensuite, je vais commencer la cuisson poêlée du chou de Chine. Donc, pour ce faire, je vais prendre de l'huile d'olive que je verse dans la poêle chaude. Ensuite, je prends les feuilles que je verse. L'huile doit être nécessairement bouillante pour bien saisir les feuilles. Je vais y rajouter la moitié des germes de soja. Je vais assaisonner de sel et de poivre. Et je vais faire poêler. Si vous n'arrivez pas à poêler comme ceci, vous pouvez utiliser une pince. Ensuite, je vais les débarrasser dans un plat. Et maintenant, je vais renouveler l'opération avec les cœurs de chouchine. Donc je reverse de l'huile d'olive dans la poêle bien bouillante. Je mets les cœurs et le reste de mes germes de soja. J'assaisonne, je sale et je poivre. Alors attention, parce que des fois l'huile, ça peut créer des flammes. Donc les cœurs se cuisent un peu plus longtemps que les feuilles. Donc surtout, ne pas oublier de surveiller votre bouillon. Donc là, ça fait 20 minutes, je l'ai arrêté. On le passera au chinois plus tard. Donc là, les légumes sont bien croquants. Je vais les débarrasser avec les autres. Donc une fois bien poêlés, nous allons goûter l'assaisonnement du bouillon. Alors,
Comme vous pouvez constater, il n'y a pas eu de coloration, donc il est bien vert. C'est bon, il n'y a rien besoin de rajouter. Donc maintenant, nous allons commencer la cuisson du poisson. Donc nous allons prendre notre filet de maï-maï et le mettre en cuir dans une chauffante d'eau frémissante. Donc je le plonge délicatement dans l'eau pour éviter de se brûler. Je remets à couvert pendant 10 minutes. Maintenant, nous allons attaquer le saumon gravlax. Donc, après avoir mis le maï-maï en cuisson, les choux de Chine poêlés, nous allons attaquer le saumon gravlax au gingembre. Donc, on le pose sur la planche et nous allons tailler des tranches fines de environ 25 grammes. Il faudra couper 4 tranches, comme il y a 4 portions, 4 poissons. Donc il faudra utiliser un couteau qui coupe très bien, si vous voulez faire des belles tranches fines. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser la tomate. Donc il faut enlever le pédoncule. Voilà. Nous allons la couper en 4. Nous allons enlever le cœur de la tomate pour garder que les pétales. Voilà, nous allons débarrasser les cœurs. Voilà. Les pétales, nous allons les couper en petits dés. Voilà. Ensuite, nous allons utiliser les oignons verts. Donc on prend que la partie verte de l'oignon. Et nous allons les tailler en sifflets, c'est-à-dire en biseau. Voilà. De 2 cm de longueur. Voilà. Pareil, nous allons les réserver. Avant de passer au dressage, nous allons passer le jus au wasabi dans un chinois. Pour ceux qui ne savent pas, un chinois c'est une passoire de forme conique, je suppose du fait de la forme des chapeaux chinois. Donc, je passe le liquide à travers pour en garder que le jus. Voilà, je vais taper un petit peu pour en extraire le maximum. Voilà. Et donc le jus est prêt à être mangé. Rappelez qu'il faut manger des produits frais, des légumes de saison, du poisson. Et puis, si vous voulez consommer un peu à la manière japonaise, utilisez tout ce qui est sauce soja, saké, etc. Voilà. D'accord, merci Davina. Et puis, on te retrouve donc la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Bon week-end à tous.
Bonjour Duc. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à deux des fruits les plus consommés au pays. Je veux bien sûr parler du laiti et de la mangue. Bonjour Élise, bonjour à vous à la maison. Alors Élise, on va aborder les caractéristiques physiques et puis un petit peu les origines de ces deux fruits-là dans le reportage qui va suivre. Mais d'ores et déjà, on peut parler un petit peu des valeurs nutritionnelles, des apports nutritionnels de ces deux fruits. Alors pourquoi il est conseillé de consommer ces fruits que l'on retrouve abondamment encore cette année? Alors il faut savoir que la mangue déjà est le fruit le plus consommé au monde après la banane. Sa chair orangée juteuse est une bonne source de fibres et de vitamine C. On nous dit aussi que la goyave et le litchi, enfin que comme la goyave et le litchi, la mangue aurait un potentiel entre guillemets anti-cancer grâce aux antioxydants qu'elle contient. Et ces informations-là, ce sont des informations qu'on a relevées sur le site Passeport Santé. Et ce qu'il y a de bien avec la mangue, c'est qu'on peut la consommer de mille manières. Il y a en salade lorsqu'elle est verte, en jus, en confiture, en sorbet et tout simplement nature. Alors, et toi, comment préfères-tu manger justement ta mangue? Alors Alice, comme tu disais tout à l'heure, enfin tu parlais de la salade, nous au quartier on est très friands de cette salade-là avec une vinaigrette à la sauce Ravels. D'ailleurs les mangues au quartier n'ont même pas le temps de mûrir parce que c'est presque une tradition chez nous de consommer la mangue de cette manière et puis voilà. Alors on est en pleine saison et puis on n'arrête pas depuis. Alors aux côtés de la mangue, donc, il y a le litchi qui en cette période est très présent dans les vergers, sur les étals des marchés, au bord des routes du pays. Et comme la mangue, ce fruit a de très nombreuses richesses à nous proposer. C'est vrai Lise que c'est un fruit très généreux. Et le fait que ce ne soit pas un fruit, enfin le litchi en tout cas ne soit pas un fruit endémique au pays, il faut noter quand même qu'il s'est très bien adapté à l'environnement de notre cahier, l'environnement de notre île. Alors pour en savoir plus sur ces deux fruits-là, sur ces arbres fruitiers, je te propose qu'on regarde avec nos chers téléspectateurs le reportage qui va suivre. Nous sommes à la station de recherche fruitière de Pocreux, et en particulier c'est ici une parcelle de litchi. Il y a donc le litchi que vous avez en face de vous ici, sur cette parcelle expérimentale. C'est du litchi taïso, c'est le litchi qui a été introduit en Nouvelle-Calédonie au 19e siècle, d'une part sur la côte est par la famille Kabar à Wailou, et d'autre part aussi dans le sud de la Grande Terre par la famille de Grélan. C'est le litchi qu'on retrouve communément partout et qu'on déguste avec avidité quand il y en a en quantité suffisante. C'est une production végétale, un fruit en l'occurrence qu'on aime déguster en fin d'année. Par contre, c'est pas évident d'en avoir tous les ans en quantité suffisante, et c'est bien pour ça qu'on essaye d'améliorer les itinéraires techniques pour lisser un peu ce phénomène d'alternance qu'on observe chez le litchi. Voilà. Donc je vous propose d'aller faire un petit tour dans la parcelle. Le litchi est originaire de deux grandes régions climatiques, d'une part la Chine méridionale du sud, mais aussi l'Inde, avec des besoins en froid qui sont très particuliers, puisqu'au niveau climatique, ces besoins en froid, on ne les atteint jamais en Nouvelle-Calédonie, il fait plus chaud que dans sa zone d'origine. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des années où on mange quand même des litchis, donc c'est pas le facteur qui explique ce problème d'alternance qu'on observe régulièrement sur le litchi. Le litchi, c'est un arbre qui a besoin d'être stressé, donc comme je viens de le dire, que ce soit par un stress climatique tel que la température, mais si aussi on peut le stresser d'un point de vue hydrique, l'eau, ses besoins en eau, il est aussi possible de réguler un peu mieux sa production année après année. Bon, c'était un petit peu le cas en 2014, l'année dernière, où on a eu une bonne période de saison sans eau qui s'est étalée de la mi-février à la mi-août, avec les pluies qui sont revenues au bon moment à la mi-août et qui nous ont permis d'avoir des floraisons exceptionnelles et une grosse année à litchi l'année dernière, fin décembre 2014. Ça vaudrait d'ailleurs le coup d'aller faire un petit tour sur les zones emblématiques telles que la côte est, Wailou, etc. pour faire un point. Et voir un petit peu si on observe moins cette alternance de l'année dernière en grosse production, avec cette année une production moindre à Wailou. Bon, toujours est-il que ponctuellement on peut observer sur cette parcelle quelques floraisons qui maintenant sont en train de nouer. Là ici on voit une petite fleur mâle qui va bientôt faner probablement.
avec ses étamines bien différenciées. Et juste à côté, là, il suffit de suivre mon doigt, là, on voit une fleur femelle qui vient juste de nouer les deux petits litchis. On voit son pistil au milieu, là, c'est-à-dire l'organe femelle de la fleur, et les petites étamines avortées à la base de la fleur. Et au pied du pistil, les deux petits litchis qui sont en train de nouer, alors que juste au-dessus, là, stade suivant, le petit ovaire est en train de faner, le style, on va dire, le style de l'ovaire, et autour, les petits litchis qui sont en train de nouer. Voilà. Et qui ont déjà commencé à grossir. Ici, ici, ici. Ici encore, ici encore. Il va falloir compter entre 4 et 5 mois après cette nouaison pour pouvoir manger les litchis. Donc ça veut dire qu'on commence à manger les litchis à partir de décembre jusqu'au mois de janvier, quoi, en fonction des zones climatiques de la Nouvelle-Calédonie. Alors là, on est dans la collection de manguiers de la station de Pocreux. C'est aussi une espèce fruitière qui fleurit au mois de septembre, comme beaucoup d'autres, hein, y compris les agrumes et les avocatiers, par exemple. Donc naturellement, en Nouvelle-Calédonie, on va retrouver d'abord un grand groupe de mangues qu'on appelle les mangues sabots. La provenance, c'est les migrations historiques millénaires de l'Antiquité, et bien avant, des Austronésiens, des Mélanésiens. C'est une mangue qui est originaire, on va dire, de l'arc du sud-est asiatique, Indonésie, jusqu'aux Philippines. Elle est adaptée au contexte tropical chaud et humide, c'est-à-dire qu'elle va être relativement tolérante à certaines maladies qui sont très impactantes pour la production de la mangue, telles que l'anthracnose, c'est un champignon, l'oïdium, qui est un autre champignon aussi, ou la bactériose, qui, elle, est une bactérie qui vient un petit peu déranger les arbres dans leur cycle. La floraison peut s'étaler du mois de juin jusqu'au mois de septembre, voire mois d'octobre, en fonction du climat et de la pluviométrie observée pendant cette période-là. Voilà. Donc là, on est sur une, on va dire, sur une ampe florale qui est en train de fleurir, qui est relativement récente, plus récente que celle qu'elle a, par exemple, et donc qui n'est pas encore très atteinte par une maladie qui impacte la production des mangues qu'on appelle l'anthracnose. Donc là, il n'y en a pas encore beaucoup sur cette ampe florale qui est ici. Il y a une partie des fleurs qui fanent, on va dire, naturellement, mais il y en a aussi qui commencent aussi à faner à cause de l'attaque d'un champignon qui s'appelle la maladie l'anthracnose. Là, tous ces tirés noirs qu'on voit sur la ampe florale qui est rouge, tout ça, c'est de l'anthracnose. Là, on voit là encore ici, là. Ça commence à être tout noir. De l'anthracnose. Alors, on en trouve aussi sur feuilles. Hein. Voilà une feuille avec des petites taches d'anthracnose. Une maladie qui va surtout impacter le manguier dans nos conditions humides de vallée, de fond de vallée de la côte ouest ou de la côte est, hein, par exemple. Hein. Si on est sur le littoral, là où il fait beaucoup plus sec, où il pleut beaucoup moins, ben, cette maladie-là, elle va avoir vraiment du mal à se développer, quoi. Voilà. Donc le manguier, c'est vraiment la culture à développer en termes de vergers exploités, organisés, sur le littoral ouest. Hein, ouest, là où c'est sec, même nord, nord-ouest, et un petit peu nord-est, jusque sur Arama. Hein. On connaît les mangues d'Arama, sont bonnes, quoi. Nous, à la station de Pocreux, de notre côté, on a introduit des mangues qui ont été sélectionnées principalement en Floride. C'est des mangues qui sont plutôt originaires d'Inde, un peu comme le litchi. Des jolis calibres en général, bien charnus, des noyaux fins, une belle coloration et puis fort peu de fibres en général. L'envers du décor, c'est qu'elles sont plutôt plus sensibles que les mangues sabots aux maladies que j'ai citées avant. Par contre, en termes de terroir, elles restent bien adaptées, comme le manguier en général, aux zones sèches. Tout le littoral ouest, en montant de Bouraké jusqu'à Koumak, en passant par Poum, Ouégua, Arama. Là, on retombe sur des terroirs qui sont intéressants pour développer la culture de la mangue, qui, avec nos variétés, peut se prolonger jusqu'au mois de mars-avril, alors qu'avec les mangues sabots, on reste plutôt sur un pas de temps qui est mi-octobre jusqu'à fin novembre,
avec Tommy Atkins, comme vous avez ici, là, la variété Tommy Atkins ou d'autres qu'on a dans le champ qui s'appelle Kate, on peut avoir des mangues sur les arbres jusqu'au mois de mars-avril. D'où l'intérêt d'avoir cette possibilité d'allonger la période de production des mangues. Le laitier et la mangue sont donc, enfin, pourraient donc être de véritables atouts, entre guillemets, sanitaires pour le pays tout entier, mais aussi des atouts économiques. Merci du cœur. Merci à toi Élise et merci encore à vous à la maison. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, vendredi dernier jour de la semaine, pour une nouvelle quotidienne. Tata à tous.